aujourd'hui, lancement de la boutique. Nous avons notre nouveau site qui s'appelle PokéQuack. Donc c'est mon site et mon entreprise, en gros, si tu veux. Et ça va être là qu'on va pouvoir mettre tous nos produits, qu'on va vouloir vendre et tout, etc., etc. Donc, petite précision tout de même, livrable en Suisse, en Belgique, en France, il n'y a pas de souci. PayPal, pour l'instant, pas disponible sur le site par rapport au fait où PayPal fait des misères. Mais ça, voilà, c'est pas forcément grave. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est voir un petit peu la boutique. Donc là, elle est toute nouvelle, toute neuve, faut que je refasse mon stock. Mais nous avons déjà des petites choses, donc comme vous pouvez le constater, déjà une nouvelle DA, donc ça c'est le logo, c'est mon enseigne. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, dans le futur, on aura la possibilité d'avoir ce logo-là sur une devanture de magasin, quoi, tu vois, on sait pas ce qui va se passer. Ce serait fou, en tout cas je suis vraiment fier et vraiment content de pouvoir mener ce projet qui me tient à cœur. Vous savez que bah voilà, c'est ma reconversion un petit peu, hein. Moi c'est un univers qui me plaît énormément, Pokémon et les cartes à collectionner. Et donc du coup, bah, en faire un shop était totalement la suite logique. Du coup, bien évidemment, on est dans l'accueil ici, donc vous pouvez rechercher si vous cherchez des produits spécifiques. Vous descendez un petit peu, vous avez les derniers produits achetés par la communauté. Et après, vous avez un petit onglet Enigma 2.0 qui est disponible à l'heure actuelle sur le site. Faites vite parce que ça part très très vite. Je sais pas combien il en reste, moins d'une centaine. Donc voilà, si vous voulez des Enigma, n'hésitez pas à en prendre et à tenter votre chance, bien évidemment. Parce qu'après, il y en aura plus de 2.0. Donc voilà, c'est disponible. Et bien évidemment, vous pouvez aussi chercher par les collections qu'il y a disponibles dans la boutique. Si vous cherchez la collection précise dans la boutique, simple, Pokémon FR, donc tout simplement trié comme d'habitude avec le style d'item. Donc comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, je viens de la relancer la boutique, je viens de refaire le stock, donc on va recommander bien évidemment, mais en gros, ben voilà, ça sera trié par booster, etc. Donc par exemple, quand tu vas dans booster en FR, on a du 151, on a du point de fusion, on a du booster écarlate et violette, etc., etc. En Pokémon japonais, on a que les boosters, on a les cartes à unité qui va vous ramener directement sur mon card market. Donc card market, c'est quoi? C'est un site qui permet de référencer toutes les cartes que j'ai à vendre, parce que je vends beaucoup de cartes aussi. Et sport, on en parlera un petit peu plus tard, mais vous avez aussi la catégorie sport. On a fait un petit onglet Enigma parce que beaucoup de gens connaissent éventuellement Enigma plus que PokéQuack, vu que PokéQuack vient de sortir. Enigma, encore une fois, c'est le produit que j'ai créé avec mon associé Pokelmo pour faire des pochettes mystères françaises. Et donc du coup, voilà, on est déjà à la 2.0, ça fonctionne vraiment du tonnerre, les retours sont super, donc on est très content du produit, on travaille très dur pour proposer des trucs de fou. Donc voilà, Enigma est en vente ici, sur ce site-là, et aussi sur le site PokéDream, si jamais, au même prix. Voilà, il y a quelques petites choses qu'on a mis, retrouver des boosters de la collection écarlate et violette, c'est parce que c'est la nouvelle version. Bien évidemment, plus de 60% maintenant des précommandes sont parties. Donc voilà, tout a été livré. C'est sorti fin octobre. Il restera moins de 200 exemplaires. Là, on est à moins de 100 maintenant. Donc tu vois, ça évolue très très vite. Le produit est disponible là si vous en souhaitez. Bien évidemment, n'hésitez pas. L'onglet live va vous rediriger sur mon live, bien évidemment. Et après, ce qui va nous intéresser, nous, c'est le panier. Donc je vais juste voir qu'il n'y a pas de truc qui leak. Et je vous remets tout ça pour vous expliquer un petit peu comment faire vos commandes si jamais vous avez une question. Parce que c'est souvent ça, vu que je fais du box break aussi, donc l'ouverture en live. C'est ça des fois que les gens savent pas trop ce qu'ils doivent mettre. Donc comme ça, je vous réexplique une fois pour toutes et vous allez tout comprendre. Vous allez voir, c'est très très simple. Quand vous allez faire votre commande, bien évidemment, vous avez la possibilité, du coup, ici, de choisir la façon dont vous voulez être livré. Donc là, c'est pour une livraison en Suisse. Donc je vais mettre une livraison en France, par exemple, qui sera un petit peu plus explicite, parce que beaucoup de gens sont quand même en France. Vous avez la possibilité de choisir une livraison, du coup, Colissimo contre signature, qui va coûter 15€. Donc putain, c'est cher, mais en fait, dites-vous que les coffrets, les colis, les cartes Pokémon, vu que ça pèse, vous prenez 3-4 coffrets, le carton est volumineux, et après, en contre-signature, c'est un peu le forfait, hein, donc malheureusement, ça coûte cher. Bien évidemment, on a une autre possibilité, c'est le Mondial Relais à 5,50 que vous sélectionnez ici, et après, vous pouvez choisir un point de retrait qui va tout simplement apparaître, comme ça, moi, j'aurai les informations de où je dois envoyer. Mais il y a aussi, et c'est pour ça que nous, on est un petit peu différent des autres, la possibilité d'ouverture en live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez pas les frais d'envoi à ce moment-là, d'accord? Moi, quand j'ai cette notification-là, c'est mieux que je sois en live, les potes, je sais que je dois ouvrir et je garde en stock chez moi. Ça, c'est pour les gens qui veulent payer qu'une seule fois les frais d'envoi, parce que moi, vu que je suis en live tous les jours, il y a beaucoup de clients qui prennent 2-3 fois par semaine, et à la fin de la semaine, ils prendront une livraison. Donc quand tu mets ouverture en live, c'est que moi, je vais ouvrir le produit en live chez moi, et je le garde en stock chez moi, jusqu'à que tu refasses une commande et que tu prennes une livraison, d'accord? Donc voilà, ça c'est le forfait. Vous avez la même possibilité, bien évidemment, avec la Suisse et avec la Belgique, mais les prix après d'envoi sont différents, parce que vous, c'est envoyé directement chez vous, quoi qu'il arrive. Donc voilà, en termes d'utilisation, c'est assez simple, assez explicite, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, et voilà, vous commandez quelque chose, ça fait le plaisir, et je ferai ça, comme d'habitude, moi-même. Tout ce qui est stock et envoi, c'est tout moi qui fais à l'heure actuelle. Donc voilà, sachez aussi une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de commander quand je suis en live, hein. Si vous pouvez prendre la livraison, même quand je suis pas en live, c'est un e-commerce qui fonctionne 24h sur 24, donc voilà, même si je suis pas en live, il n'y a pas de problème, vous pouvez commander vos articles, et je vous les enverrai avec plaisir. Juste, si vous voulez faire des commandes pour les ouvertures en box break, faites-les quand je suis en live, c'est très simple, mes dates de live, c'est du lundi au vendredi, toutes les après-midi.
l'après-midi sur Kick. Voilà, c'est très simple. Donc comme ça, vous pouvez venir voir ce qui se passe. D'ailleurs, on parlait un petit peu d'ouverture des nouveaux produits qui vont arriver. Je ne l'ai pas encore mis, mais vous voyez qu'il y a un onglet sport qui va arriver et football, c'est bien évidemment pour des cartes de collection. Sachez que ça arrivera bientôt dans la boutique et qu'il y a plein de collections qui sortent assez souvent. Et donc du coup, bien évidemment, je fais la transition par rapport à ça. C'est que moi, je travaille maintenant avec une société qui s'appelle GCC et qui est une société qui fait certifier vos cartes. Donc c'est une société française qui envoie vos cartes dans la plus grande société de gradation au monde qui est PSA. Donc si jamais, voilà, c'est aussi important de vous dire qu'il y avait la possibilité de grader ça. J'ai un code promo qui sera mis en description aussi. Normalement, le code promo, c'est psycho@gcc. Et du coup, c'était pour vous montrer comment ça allait revenir après vos cartes. Donc quand vous avez une réception, vous recevez une boîte comme ceci. Et à l'intérieur de cette boîte-là, tu as justement des cartes gradées. Ces cartes ne m'appartiennent pas, d'accord, je vous le dis. On me les a prêtées parce que moi, j'ai fait un envoi, mais c'est pas encore arrivé parce que quand tu les envoies en Amérique, ça prend un petit moment, 2 mois environ. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment grader de tout. Là, typiquement, on était sur des cartes adrénaline que certains ont fait. Kylian Mbappé adrénaline, PSA, noté gradation 8. T'as toujours la note, t'as le numéro de série de ta carte et du coup, tu as ta carte ici derrière, adrénaline. Tu vois, par exemple, tout se grade. C'est pour vous expliquer que tout peut vraiment être stocké. Là, par exemple, Panini, autre style de carte à collectionner. Panini, le trio offensif, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar. Tu vois, il s'est dit, vas-y, je vais la faire grader parce que, ben, clairement, les trois réunis, c'était quand même une ère assez folle en termes de com. En plus, il a la note maximale de 10. Ça peut être quelque chose qui, par la suite, peut prendre de la valeur. Là, on est sur Merlin, qui sont aussi assez sympathiques. Peut-être qu'un jour, on en aura en boutique. On verra. C'est top ce qui fait ça. Et gradé à 9. Mais vous pouvez bien évidemment grader toutes sortes de choses. Regardez ici. Vous vous souvenez des stickers qu'on avait quand on était petit? Et ben voilà, des stickers ici qui sont gradés. Vous voyez la 4, c'est au niveau de l'état hein, général qui ressort la note, bien évidemment. Un autre sticker ici, très bonne qualité. 1999, les gars. Ça, vous les avez eu. Ces stickers-là, vous avez... ben, vous voyez, maintenant, c'est des objets de collection. On a aussi, certains en ont chez eux de ces cartes-là. Je sais pas si vous en avez. C'était des cartes tops que faisait Pokémon. C'était des grosses cartes comme ça, plutôt sympathiques. Vous aviez les 151 premiers Pokémon. Et ben du coup, là, si vous en avez, vous pouvez aussi les faire grader parce que ça peut prendre de la valeur si elles sont en bonne qualité. Et vous voyez que c'est une possibilité. Vous le connaissez aussi, ce Pikachu. Bien évidemment, Pikachu du set de base. Première édition, gradé à 9 en français. Donc ça aussi, c'est une carte, mine de rien. Bah, on en avait tous beaucoup quand on était petit. Et bah là, tu vois, il a pris une cote, hein. Cette carte-là, clairement, c'est pas donné. Clairement pas donné. Un petit Dracaufeu radieux, par exemple, des cartes modernes, Pokémon Go, tu vois, aussi qui ont été envoyées. Note maximale ici, vraiment magnifique. Ici, on le connaît, c'est le XY Evolution Dracaufeu. Vraiment sympa. Même Harry Potter, par exemple, pour les fans d'Harry Potter. J'ai aussi voulu vous prendre une carte, tu vois. Tout se grade. Tout peut éventuellement prendre de la valeur par la suite. Et du coup, ben, des fois, quand t'as un feeling sur un truc, ça peut valoir la peine de mettre de côté, de grader, et puis te dire, bah, peut-être par la suite, quand tu les ressortiras, ça pourra avoir de la valeur. Qui aurait pu prédire que cette carte, bah, 25 ans, 26 ans après, qui coûtait peut-être même pas 10 centimes quand on les avait à la récréation, bah, c'était des francs même, j'imagine, maintenant, ben, vaut 300-400 balles, quoi. Et voilà, vous recevez vos cartes dans un petit boîtier comme ça. Et en gros, cette société-là, justement, s'occupe pour vous d'envoyer les cartes. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a avec PSA, c'est déjà le site. Ben, il est en anglais. Tu peux le mettre en français avec des traductions, mais c'est pas toujours précis. Et t'as un petit peu peur de faire faux. Moi, je sais que j'ai jamais envoyé là-bas parce que j'ai peur de faire faux. Il faut utiliser des protections un petit peu spéciales, etc., etc. Là, en fait, t'envoies tes cartes à cette société-là en France et du coup, eux s'occupent après de tout, de faire l'envoi, etc. Ça prend 60 jours pour une gradation basique, jour ouvrable. Donc, quand ils les reçoivent et qu'ils bah, vous la renvoient, ils ont compté 3 mois en définitive, à peu près en durée. Et du coup, c'est beaucoup plus simple comme ça. L'autre point positif, c'est que vous savez que moi, je fais du box break, c'est-à-dire que j'ouvre vos cartes. Si vous packez un banger et que vous voulez le grader, je peux m'occuper de moi préparer le listing, etc. et puis vous dire combien ça fait. Parce qu'en fait, cette société-là est située à 10 minutes de chez moi. Donc, en gros, moi, je peux amener les cartes en main propre, aller les rechercher en main propre. Ça aussi, c'est une sécurité qui est vraiment plus intéressante. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des cartes à faire grader, faites appel à moi. Vous me contactez sur Discord ou n'importe où. Je fais ça avec plaisir. Je ne gagne pas un centime sur chaque gradation. Sachez-le. Le seul bonus que j'ai, c'est que quand on aura envoyé 10 cartes, peut-être que je pourrai en envoyer une gratuite. Mais je ne gagne pas d'argent par rapport à la quantité que vous commandez ou quoi que ce soit. C'est moi un service que j'avais envie de vous proposer. Avant, on travaillait avec TCC, une société de gradation française, qui était franchement top pour débuter les collections, pour une bonne qualité, pour un beau service, c'était exceptionnel. Maintenant, moi, je suis passé dans un niveau de collection qui demande que ma collection soit gradée dans la meilleure société qui existe au monde et mondialement, on parle de PSA, c'est la plus grosse référence. Donc voilà, en gros, le nouveau site est
sortie, vous pouvez faire vos commandes avec plaisir. Si je suis en live, je peux même les ouvrir en live. Les Enigmas, profitez, ça part très très vite. Et voilà, c'est cette nouvelle aventure qui commence avec Pokéquack, qui est mon magasin. Et j'espère que on ira loin et que peut-être dans un futur proche ou lointain, on aura un shop en physique. On sait pas, tout peut arriver. Si vous avez des retours à me donner, des avis, c'est avec grand plaisir que je le prends, tout simplement. Comme ça, nous on cherche à s'améliorer un maximum.